Allez, roule, petit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je suis encore sur mon gravel. Promis, la prochaine, ça sera sur le FAP. Bon, Damien est là. Fais la gueule. On est parti pour un petit 60 bornes vers la côte. Il devait avoir du soleil, mais bon, c'est pas terrible. À suivre. Bon, on est bien dans l'ambiance, là. On a un bon vent dans la tronche, un peu de pluie. Comment se fait ? Sur votre droite, le magnifique château de Caen. Ainsi que le tramway. Allez, on passe par la droite, c'est pas bien. Yeehaw ! Bon, là, c'est la guerre. On a un beau vent dans la tronche. Il flotte. On est dans la plaine. C'est pas fait pour n'importe qui, ça. Magnifique. Putain. Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Le pire, c'est qu'aujourd'hui, je suis en repos. Je pourrais être tranquille au coin du feu, chez moi, un petit café. Mais non. Je suis là. Oh la vache, c'est pas fini. Je connaissais le con qui allait tracer ce parcours. C'est moi, pour info. Allez, à plus. Bon, maintenant, on roule sur l'herbe. Ça avance encore moins vite. Parce qu'à droite ou à gauche, ça glisse trop. Alors, rouler sur l'herbe, vous savez bien que c'est pas ce qu'il y a de plus marrant. Ah, un petit peu d'abri. Ouh, là, c'est dur. Mais c'est bon quand même. On arrive à prendre un peu de plaisir dans la souffrance. C'est bon signe, ça. T'es content d'être là? J'ai l'impression que cette sortie, elle va être très dure. Putain. Eh, hey, tu sais quoi? Le soleil est là. C'est beau, non? Magnifique cet endroit. Le soleil est là, on s'est abrité du vent, là, ça fait 20 minutes qu'on discute tranquille, et les kilomètres passent, on est bien. J'arrive à 20 bornes. Voilà, la vieille église de Caen. Ah, c'est assez magnifique par là. En mode touriste, on prend des photos, on a le temps. C'est ça qui est bon. Passage technique! Ah! Ah! Pardon. Un petit peu de sous-bois. Oh! Ça dérape. Ça drift. Ah, une petite bosse sur un chemin qui m'est inconnu. Bon, assez sympa, ça va. Pourquoi je sens qu'on va patiner? Ah oui, en effet. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un chemin ou pas? Ouais, ça passe à droite, là? Pour repartir, hein, ça va être marrant. Belle tentative. Tu vois quelque chose, après? Je crois qu'on est parti pour un petit plan galère. Ah non, il y a un chemin, là? Oh la vache. Il est beau, mon parcours. Ça, c'est bucolique. Ah, le vent a bien ralenti, là. C'est une bonne nouvelle pour l'instant, mais faut qu'il comptait l'avoir dans le dos sur le retour. S'il est tombé, c'est mort. Ah, le grip est vraiment parti en vacances, hein. C'est quelques jours. Et il a emmené l'adhérence avec lui. Ha ! Qu'est-ce que c'est usant, de rouler dans l'herbe comme ça. Ah, ça fait les cuisses et les mollets. Au printemps, on va être des machines à rouler comme ça. Ou pas. Allez, l'aventure continue, 25e kilomètre. On se rapproche de Douvres-la-Délivrande. On a trouvé une lumière. C'est mon capteur de cadence? Si jamais elle est par là, tu aurais les voir. Non, je vais t'arrêter là-bas, ouais. Eh ben moi je dis qu'on est pas mal. Oui. Allez, on se rapproche de la côte. On se rapproche du casse-croûte. Bon, le vent est revenu un peu là, donc c'est bien. On va l'avoir dans le dos pour rentrer. Ça va rouler tout seul. On la chicane. Allez, on a passé les 30 bornes. On a un peu plus de la moitié, impeccable. Bon, elle est pas belle la mer aujourd'hui, elle est pas contente. L'eau est foncée, il y a de la vague. C'est pas beau là-bas. Vent de nord-ouest, on devrait y échapper, mais ouais, parce qu'il y a là-bas, c'est pas mieux. Il y a de grandes chances qu'on se prenne une bonne averse sur la gueule encore avant de rentrer. C'est pas grave. On n'est pas en sucre. On n'est plus à ça près, de toute façon. Voilà, ça se passe de commentaires. Donc je ferme ma gueule. Bon, après une bonne pause casse-croûte, on repart. Oh putain, j'ai froid.
C'est frais, c'est frais, c'est frais. Oh la vache, il y a un grain en face là-bas. Oh la vache, content de pouvoir être dessous. Allez, on récupère du petit chemin de gravel. Les gars. Bonjour, merci. C'est sympa par là. Ça, c'est gravel. Exactement. On est vraiment sur du chemin typé gravel. Idéal. Au top. C'est joli comme tout. Vraiment sympa. Passage par le petit bois du Caprice. Il est assez sympa. Il n'est pas dingue non plus, mais il est marrant. Il est tout à fait joli. Prudence dans le virage. Ça glissouille. Magnifique, le petit chemin aussi. Petit souffle montant qui use bien. Ouh. Attention vélo. Là. Retour par le bois de l'Ébisée. Très très sympa. Ben voilà, c'est fait. Maintenant tu connais. On est sur la fin. Retour par le parc du Biaise, Mondeville. Interdit à la pratique du VTT, mais on est en gravel, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est charmant par là. C'est ici que se termine cette sortie et cette vidéo. Bon, c'était très mal parti avec le vent fort et la pluie. Et plus ça allait, mieux c'était. On finit sous un beau soleil. Il fait bon. Donc superbe, superbe sortie, un bon parcours, on s'est régalé tout le long. Une petite pause casse-croûte à Luxe-sur-Mer, c'était très sympa. Donc voilà, sur ce, amusez-vous, faites du vélo, faites du sport. Allez, ciao!